Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo haul action. Comme je vous disais, j'y suis retournée dans un autre pour voir s'ils avaient encore le café en promo pour mon conjoint. Et j'ai trouvé plein d'autres petites choses. Alors même si je n'ai pas encore tout, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, il me manque un ou deux petits porte-clés par exemple. Où j'avais trouvé les petits flamants roses dans la première vidéo. Là, j'en ai trouvé trois supplémentaires, mais apparemment, il y a encore un papillon et un cœur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, je vous montre ceci. C'est un petit ciseau que j'ai trouvé et je l'ai pris. Vu son prix, je me suis dit que c'était pas mal pour la broderie parce que tout le temps, dans les différents kits que j'ai commencé, je mets mes ciseaux dedans. Et voilà, là, ça va m'en faire un supplémentaire. Comme ça, je ne vais pas devoir aller piocher à chaque fois quand je pars, par exemple. Voilà, celui-là, il va peut-être rester dans le kit que j'ai dans ma voiture ou dans mon sac à main. Voilà, j'en ai plusieurs, c'est toujours pratique. Et au niveau du prix, cette fois-ci, j'ai pris mon ticket tout de suite avec moi, que je retrouve, comment ils appellent ça? Eh ben, 68 centimes, voilà. C'est parce qu'il s'appelle DecoTime Ciseaux 3D Hobby. 68 centimes. Donc voilà, ça vaut largement le coup. Donc voilà pour le petit ciseau. Ensuite, au niveau des porte-clés, je vous disais hier, j'avais trouvé deux petits flamants roses. Et ben voilà les trois supplémentaires que j'ai trouvés. Donc vous avez le chat, vous avez le dauphin et la licorne. Et donc j'ai vu qu'il y avait encore un papillon et un cœur, mais ils n'étaient plus disponibles dans le magasin où je suis allée. Donc pour rappel, ces petits porte-clés, ils sont à 99 centimes. Et alors, est-ce que j'arrive à ouvrir? Je vous avais montré hier que c'était du plastique souple. Donc je ne veux pas vous remontrer tout le kit. Puisque hier j'ai insisté dessus dans mon autre vidéo, dans la première partie. Donc je vous invite à aller la voir. En tout cas, vous avez tout ce qui est nécessaire pour fabriquer votre petit porte-clés. Et voilà, donc c'est du plastique souple. Et celui-là, eh ben, il est assez gros. Celui-là, il est assez gros. Je vous rappelle que c'est à diamanter, donc des deux faces, c'est imprimé en transparence. Vous avez le mousqueton, vous avez le stylet, colle et barquette, vos diamants et donc le porte-clés à diamanter des deux côtés. Donc comme c'est imprimé en transparence, je vous invite juste à bien rester au-dessus du petit porte-clés quand vous diamantez, parce que bien à la perpendiculaire en fait, hein, parce que sinon vos diamants vont être décalés. Donc voilà pour le petit chat. Il est mignon, hein, et il est grand celui-là. Voilà pour le chat. Ensuite, on a le dauphin. Alors, le dauphin, le voici. Ça va être super ça à faire avec ma fille. Puis si elle les fait pas, eh ben, c'est moi qui les ferai parce que c'est pour les enfants, mais moi, je m'éclate autant. Donc, voilà le dauphin. Bien sûr, on en fera sans doute un ensemble. Je vais lui piquer le flamant rose, on le fera ensemble. Et je vous montrerai le résultat fini de tous ces petits projets. Et la licorne, attention. Voilà, donc celle-ci, elle est un peu plus petite, mais elle est super mignonne. Donc voilà pour la licorne. Et donc vous avez tout, hein, comme d'habitude. Voilà pour les porte-clés, donc à 99 centimes, ça vaut vraiment le coup. Et si je trouve les autres, eh ben je vous remontrerai les autres. Ensuite, ils ont sorti des nouveaux petits tableaux, donc c'est des 16 par 16, et c'est sur le thème des émojis. Donc moi, je n'ai pris que la licorne, il y a plein plein d'émojis. Mais moi, je suis moins fan et comme dit, je n'achète pas pour acheter, j'achète vraiment ce que j'ai envie de faire ou ce que ma fille fait. Donc, je ne vous présente pas forcément la gamme complète de chez Action, mais voilà, sachez qu'ils ont ressorti plein d'émojis. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Moi, je n'ai pris que la licorne. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans les kits.
celui-ci on va l'ouvrir un petit peu plus en détail. Et au niveau du prix, alors ça c'est lequel? Il est à 1,99€ ce kit. Alors, sans tout casser, bon, vous savez quoi, on va peut-être utiliser les ciseaux que j'ai à portée de main. Hop. Ils seront ouverts au moins. Voilà. Voilà. Alors, dans ce kit, on a un toolkit. Alors, ça, c'est une barquette que j'ai jamais vue. Par contre, barquette rose, pain de colle. Il n'y a pas de petit bec verseur. Ça, c'est dommage. Mais bon, elle est bien large. Ça peut toujours servir. Et un stylet bleu-vert. Celui-ci non plus. J'ai jamais vu un stylet de cette couleur. Donc, voilà le toolkit. Au niveau des diamants, hein, ce sont des diamants ronds cristaux. Voilà. Donc, il y a des jolies couleurs. Je ne vais pas vous les ouvrir, mais voilà. Ce sont des diamants cristaux. Et je pense que c'est... je pense que c'est tous de la... Ils sont tous de la même taille. Ensuite... Ah bah on a deux petits sachets zip, pardon, qui traînent là. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir, même si je ne suis pas sûre que ce soit de la grande qualité. Mais bon, ça peut toujours être pratique. Ils se baladent comme ça. Il n'y en a pas d'autres dans les diamants. Non, j'en vois pas d'autres. Bon, ils ont le mérite d'être là. C'est pas mal si on veut refermer. Et il n'y en a que deux. Oui, il n'y en a que deux. Et donc, au niveau de la toile, la voici. Donc, c'est une 16 par 16, hein, on a dit. Oui, c'est une 16 par 16. Et elle est toute mignonne, cette licorne. Moi, j'adore. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 couleurs quand même. Et voilà la licorne, donc des diamants ronds, cristaux. C'est lisible, hein, les symboles, vous allez voir, mise au point. Voilà, très très lisible. Donc Action, c'est vrai qu'ils font des kits de diamond painting qui sont pas trop chers et qui sont de bonne qualité. Ça colle très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous les modèles existants. Je la trouve vraiment trop choupinette, cette licorne. Je crois que je vais la piquer à ma fille, je vais la faire. De toute façon, elle a tellement de choses, vous allez voir. Parce qu'avec tous les kits qu'il y avait, j'ai quand même si je n'achète pas pour acheter, hein, que j'achète que des choses, comme je vous ai dit, que je suis sûre de faire, et ben, il y avait plein de choses qui m'ont fait craquer. Et chez les enfants, même si c'est enfantin, moi j'adore faire ça. Donc, 1,99€ les petits kits emoji. Ensuite, on va passer à ces petits tableaux. Donc ça, c'est une nouveauté, j'avais jamais vu. Alors, on va ouvrir. Je crois qu'il y a même le... Je vois back, le verso qui a du coup le cadre inclus. Et ça, ça peut être vraiment pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là aussi, il y a plusieurs modèles. Donc je vais vous en ouvrir un. Et... ah ouais, trop bien, il y a les cadres avec. Et en plus, c'est du rigide. Oh là là, trop, trop bien. Donc, dans ces kits, vous avez le toolkit de base, barquette, stylet et colle. Vous avez vos diamants, donc dans des sachets ribambelles. Ce sont des jolies couleurs, très vives, bien enfantines. Alors, ah, on a un diamant cristal. Le reste, ce sont des diamants ronds. Classiques, ils sont très jolis, elles sont très jolies les couleurs. Hein. Je sais pas si vous voyez, oui, si vous avez le rendu bien à la caméra. Du coup, des couleurs très très vives, très jolies. Et alors, je suis surprise parce que je m'étais pas rendu compte, c'est écrit en gros sur la boîte, mais qu'on a le cadre. Alors, regardez ça, vous avez votre. Je m'excuse hein, pour bébé qui pleure, voilà, mais vous inquiétez pas, il y a papa en bas. Donc déjà, la petite princesse, enfin la petite fée, elle est trop mignonne. Vous voyez qu'au niveau des symboles, on est très très bien. Hop. Et bah du coup, elle est dans un cadre rigide. En bois ou... Oui,
Et donc avec le petit rabat pour qu'on puisse poser. Donc elle est déjà encadrée. Je trouve ça super. Franchement, je suis vraiment surprise de la qualité. Et en plus que je prenne mon ticket. Que je vous dise pas de bêtises. 1,99 €. 1,99 € ces cadres. Donc, pouah, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Alors, par contre, est-ce qu'on peut. Donc, c'est scellé, hein, par contre. On peut pas sortir la toile pour diamanter. Mais bon, c'est très bien, hein, comme support. Vous voyez, on diamante comme ça. Il n'y a aucun souci. Au niveau du collant, ça colle très très bien et c'est vraiment dur, hein. C'est une toile, donc c'est vraiment top. Je pense avec du carton derrière. Ouais, je suis super surprise et ça j'ai hâte de faire. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à avoir tous les modèles. Mais ça me plaît vraiment. Et si je trouve d'autres modèles? Si vous avez trouvé d'autres modèles, n'hésitez pas à me le dire. Parce que vraiment, j'adore. Donc, on est sur du. Est-ce que j'ai la taille? Ça doit être du 15 par 15, hein? Ça doit être du 15 par 15. Ouais. Ouais. Et le rendu, ben, il va être bien, je pense, avec ses couleurs vives. J'ai hâte de le faire. Donc voilà pour celui-ci. Et au niveau des modèles, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres. Parce que pour 1,99 €, la qualité, je suis choquée, vraiment, mais agréablement. Donc vous avez la petite fée. Vous avez le papillon qui est dans la boîte orange. Vous avez l'arc-en-ciel dans la boîte jaune. Vous avez le petit lama ou le petit alpaga dans la boîte verte. Et vous avez la sirène. Je les adore aussi ces deux-là. La sirène dans la boîte bleue. Donc voilà, 1,99 €. Vous avez le cadre compris. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment génial. Je suis super contente en fait de les avoir tous achetés. Encore plus depuis que j'ai vu qu'il y avait le cadre. On passe à la dernière chose que j'ai trouvée, donc ce sont ces petites veilleuses. Donc c'est un nouvel objet que je réalise, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais commandé sur les boutiques où je commande habituellement. Donc j'étais curieuse. Et ces veilleuses, elles sont au prix de 2,59 €. Donc on va voir, j'ai pris trois modèles, je vous montrerai pareil après. Je vais vous en ouvrir un. Donc au niveau des diamants. Ouh, on a même des diamants spéciaux. Donc là, on a des demi-sphères nacrées. Après, ça, ce sont des diamants classiques. Voilà, donc on a un diamant spécial. On a le toolkit. Donc toolkit de base dans un sachet refermable, ça c'est top, ça on aime, hein. Et vous avez donc le socle de la veilleuse et la veilleuse à diamanter. Alors attendez, je vais créer encore un petit papier, on va tout de suite regarder ce que c'est. Ah bon, c'est les instructions, voilà, donc vous avez une feuille d'instruction pour diamanter et pour le placer sur le socle, donc ça c'est bien pour quelqu'un qui n'a jamais fait de diamond painting. Moi je trouve ça toujours bien quand ils mettent des petites feuilles d'instruction, c'est top. Et au niveau de la veilleuse, et eh ben écoutez, elle est très très belle, hein. Elle est très très belle, il y a quand même de quoi faire en diamant dessus puisque c'est à diamanter des deux côtés, c'est imprimé des deux côtés, donc là il n'y aura pas de souci de rester à la perpendiculaire. Et si j'arrive à enlever, voilà, ça colle super bien. Et ben il est trop joli ce petit dauphin, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve super choupi, je le trouve super choupi. Et donc
ça se place comme ceci. Et avec des piles, bien sûr, qui ne sont pas fournies, que vous placez au-dessous, qu'il faudra dévisser, et ben, elle va être super. Donc, je pensais en mettre une dans la chambre de ma fille, une dans la chambre de mon fils et peut-être une dans le couloir. Ça peut être sympa si quelqu'un se lève pour aller faire pipi la nuit. Donc, voilà la veilleuse du petit dauphin. Et alors, je vais vous les mettre comme ceci. Et je vais vous montrer les autres quand même. Je vais les ouvrir parce que bah, le rendu sur la boîte pour ce genre d'article, c'est pas top. Que je montre bien ça. Donc ensuite, j'ai pris une petite grenouille. Hop. Donc voilà la boîte de la petite grenouille. Donc vous avez toujours un diamant tout le kit de base. Je regarde si là il y a des diamants spéciaux, mais non, ce sont des ronds classiques. Et voilà pour la petite grenouille. Alors là il y a moins à diamanter puisque ben, toute sa tête, vous voyez, il n'y a que les contours en fait, et ses pattes et ses yeux, mais c'est aussi des deux côtés. À voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne terminé pour voir le rendu avec la lumière, etc. Hop. Et la dernière, c'est un cœur avec un petit papillon. Donc on va voir ça, ça c'est ma préférée. Donc je me suis dit, le dauphin et la grenouille dans la chambre des enfants. Je crois qu'il y a d'autres modèles, donc bien sûr. Si je trouve d'autres modèles, je les prendrai parce que c'est le genre de partie que j'aime bien. Ah, et là, il y a des diamants spéciaux par contre. Alors, on va voir ça ensemble. Vous avez des diamants ronds cristaux, argentés, rouges, un jaune orangé, un bleu. Pff, il est trop beau celui-là. Un bleu plus clair qui est aussi trop, trop beau. Le vert, waouh! Magnifique. Ensuite, vous avez des petits, enfin des plutôt gros calissons comme ceci, fastés. Des plus gros calissons encore fastés aussi. Des demi-sphères fastés, donc dans les tons orangés. Et des demi-sphères fastés aussi, argentés, avec des reflets argentés. Voilà, donc les diamants sont sympas sur celle-ci. Hop, c'est ma préférée du coup. C'est vraiment ma préférée. Les autres sont plus enfantines, ça, on va dire que ça fait un petit peu plus adulte. Et donc voilà. Wow, celle-là, elle est vraiment trop trop belle. Elle est trop trop belle. Donc, à diamanter des deux côtés. Et ben, je pense qu'on fera celle-là ensemble. Et je vous montrerai le résultat fini des autres, bien évidemment. Mais on fera sans doute celle-ci ensemble. Donc je vous rappelle, le prix des veilleuses, c'est 2,59 €. Donc voilà, pour les petites veilleuses. Voilà ma deuxième partie du petit haul Action. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez trouvé d'autres versions de ce que moi j'ai déjà trouvé, d'autres petits porte-clés, d'autres veilleuses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un petit pouce hein, si ça vous a plu, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça me fait toujours chaud au cœur. Voilà, moi ça me fait vraiment plaisir d'aller farfouiller et de vous montrer les nouveautés, voilà ce qu'on peut trouver sur, que ce soit dans les magasins Action, que ce soit quand je vais faire mes courses et que je tombe sur des choses, que ce soit les boutiques internet, les vendeurs AliExpress. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En tout cas, on réalisera ça ensemble. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Je suis très emballée et je vous prépare plein de petites choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve très très vite. Salut, salut !